Bonjour à tous, c'est Quinte, c'est Super Beyond 10. Bonjour tout le monde, salut tout le monde. Donc nous sommes là pour l'épisode 26 de Resident Evil 4. Resident Evil 4. Voilà. Un peu la suite. Ah génial, ça rame. Ah oui, après le partage d'écran, souvent ça rame un peu. Non, mais ça c'est mon PC. Quoi ? Mon PC, ça vient de mon PC, ça. Ah. C'était sur Internet. Et il a toujours du mal à pipa se couper, mais ça va. Vous savez que généralement, ça lag. Quand on reçoit un partage d'écran, ça lag beaucoup. Ben voilà, normalement, c'est couplé. Donc là on est dans pour aller chercher le Graal de la reine. Rien à voir avec Indiana Jones. Hein. Une petite énigme à résoudre ici. Ah non, parce que... D'ailleurs ça c'est un petit clin d'œil au Resident Evil 0. Où il y a un échiquier dans le Resident Evil 0, il faut surtout pas se tromper de pièce. Et ça m'a fait un peu penser à ça quand j'ai vu la première fois cette pièce ici. Follow me. C'est un jeu d'échecs, mais c'est pas le cas. Quoique, il y a quand même un lien. Je sais plus s'il y a des monstres qui arrivent. Non. Non, tu peux placer les statues sur les dalles, Ashley sur une. Follow me. Wait. Je sais plus si. Follow me. Wait. Éviter que Ashley. Follow me. Wait. Voilà, c'est bon. C'est pas ça que je voulais faire. Pour le réveil, j'ai oublié. Elle est mal mise. Non. Sûr ? Ouais. Ah ouais, voilà. Follow me. Ici, après toi avoir un réflexe, après la cinématique. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Le tout c'était de ne pas paniquer. Ouais. Et ça fait penser à Indiana Jones quoi. Enfin, moi ça me fait penser à ce film là, et moi ce passage là. Par contre je déteste quand la vue se met comme ça. Là c'est en fait pour remarquer le plafond tout simplement. Pour, pour aider ceux qui connaissent pas le jeu de voir les petites lumières rouges au plafond. Ici tu peux toujours préparer ton sniper. M'apprêter à zoomer. Pas parler pendant la musique parce que là on trouve un bel échiquier magnifique. Ouais. Alors, et là, ce passage là me fait penser à un autre film, je sais pas si tu l'as vu, La Pirate avec David Bowie. Non. Il y a un passage comme ça aussi avec deux créatures, deux trolls qui conduisent une machine dans un tunnel pour écraser la fille. Ça m'a fait penser à ça. Quant à l'échiquier là, il est sublime. Oh. En vente sur Non, il n'est pas en vente.
trouver le Graal de la reine, c'est quand même plus facile que pour le Graal du roi. Le Graal du roi, j'avais un peu peur quand j'allais le faire. Mais heureusement que je l'ai pas fait. Bah comme je l'ai dit dans les deux vidéos, dans la vidéo précédente, il suffit d'avoir une grenade ou deux incapacitante pour enlever les parasites une fois qu'on a tiré dans la tête, et surtout ne pas oublier de laisser Ashley à l'extérieur. C'est vrai que si tu l'as deux, ça peut être embêtant quand même. Très. Si tu vas voir des copains qui ont fait leur apparition. C'est pas vrai. Wait! Non, je crois que tu les as tous eus. Follow me. Ouais, il perd l'argent. Sûr que t'es là. On fera bien. D'ailleurs, en parlant du chapitre 5, j'ai vraiment pas hâte d'y être en tournant. Ah, ne t'inquiète pas, je suis là. Je connais toutes les astuces dans le jeu. Là, tu vas rencontrer un copain, hein, je te le dis. Celui-là, je m'en rappelle. Ah. Ah, c'est dommage, je m'attendais à rigoler. Non, je crois que c'est le seul de tout le jeu que je m'en rappelle. Dans les meubles, il y a il y a du fric dans les petits meubles. Plus d'argent. Et bien sûr, au fond du couloir, il y a un passage à droite. Ah, d'ailleurs, le mec. Ah, ok. Ah, ici, auquel j'avais déjà parlé, que je regardais 6 vidéos. Pas où j'y jouais, parce que j'y jouais trop. J'ai regardé 6 vidéos, parce qu'en fait, on va s'attendre avant d'avoir l'idée de. Justement, de faire un let's play là-dessus. Parce que je pensais à d'autres jeux. Et j'ai vu qu'il n'était pas passé par là. Essaye de parler un peu plus fort, s'il te plaît. Et j'ai vu qu'il n'était pas passé par là. Ah ouais, pas bah, mieux il passe à côté. C'est dommage. Ah, il est passé à côté. Je suis un peu marré quand je ne sais pas parce qu'il faut bien connaître le jeu. Donc, ça, c'est la deuxième lampe papillon. Hein. On a trouvé une autre. Ne descends pas par là. On fait le tour à l'échelle. Ne descends pas par là, fais le tour par l'échelle. On va résoudre une énigme du jeu. Enfin, un mystère du jeu. Ah oui, il faut taper dans le bouton. On peut pas quand même passer à côté de ça. Il faut taper dans le bouton. C'est obligé. Donc là, tu sautes de l'échelle et tu ne rattrapes pas Ashley. Ah. Non. J'ai déjà appuyé sur la touche. Ne rattrape pas Ashley, disais-je. J'ai déjà appuyé sur la touche. Quand tu as dit. C'est pas grave. Oh, qu'elle remonte la fifi. Voilà. Et donc là, tu fais avec le sniper et tu zoomes. Ah. Et là, it's a question S. Ouais, il y a les chiens. Ah, les mal. Est-ce que c'est une culotte ou un string? C'est une culotte. J'ai déjà fait. Personne ne sait. Les développeurs sont quand même des petits cochons, hein. Ils y avaient pensé, mais c'est le seul endroit, c'est quand elle est au-dessus d'une grande échelle qu'elle ne réagit pas. Si elle est au-dessus d'une petite échelle, elle réagit, elle te traite de serveur. Et Léon répond, désolé, j'ai pas fait exprès. Ah, c'est 4. Ouais.
Ça, c'est le gros truc qui traverse le truc sans casser. Hein. Ah ouais. Je sais pas si t'as vu. Il avait vraiment un drôle d'aspect, hein, ce gros cocon là. C'est un drôle de. Ouais, je pense que le fusil à pompe quand même, je vais pas faire. Pour ceux qui savent pas, il y a sur vachement trajet quand même, je suis pas seul. Je parlais pas parce qu'il y a beaucoup de musique et beaucoup de bruit, mais j'ai vu que t'as eu un truc bleu, donc normalement tu as les trois couleurs pour la lampe papillon en fait. Oui, c'est le truc, il faut détruire le gros cocon pour augmenter ses chances d'avoir un bleu. D'ailleurs, quand on casse un bleu, c'est forcément obligé qu'il y en a un. Enfin, forcément, pratiquement obligé qu'il y en a un. Ouais, il m'est déjà arrivé de ne pas en avoir. Hein. Ah bon. En mode pro, il m'est déjà arrivé de ne pas en avoir. Et il reste plus qu'un seul endroit après pour espérer en avoir un, quoi. Il me semblait qu'il y en avait un, obligé. Montrer la belle lampe. Des œils de chat. Les trésors, même les trésors sont beaux dans le Resident Evil 4. Quand je pense que dans le Resident Evil 5, ils mettent une horloge à réparer. Bon, j'ai cherché pendant tout un temps comme un con. Pour réparer cette horloge, en fait elle est cassée tout simplement quoi. Donc il n'y a absolument pas de moyen d'optimiser des trésors ou de les réparer, ils sont même pratiquement moches. Encore une fois, ça n'a pas de lien avec le 4. Ah, peut-être qu'ils ont un peu plus bâclé. J'ai peut-être arrêté de critiquer le 5 parce que si ça se trouve, il y en a qui adorent le 5. Attention, celui qui adore les jeux d'action. Les speedruns et tout ça, ben voilà, c'est un excellent jeu pour ce côté-là, mais ça n'a pas de rapport avec le 4, quoi. Comme je l'ai déjà dit, le 4 est le seul Resident Evil qui n'a pas de chrono, et le seul Resident Evil où le héros de l'histoire est affecté. Ouais, je sais pas si c'est... J'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai dit que je ne savais pas que c'était le seul qui... de Resident Evil où il y avait qui avait pas de chrono. Ouais, tous les autres Resident Evil ont un chrono. Bon, quand tu dis les autres Resident Evil, en fait, tu peux remarquer qu'il y a toujours, tu débloques toujours quelque chose quand tu finis le jeu le plus rapidement possible. Ce qui n'est pas le cas du Resident Evil 4. Il y a plein de bonus, mais ce n'est pas basé sur le temps de jeu. Okay. Mais tranquille, il n'y a plus Ashley. Ouais. Parce que là, tu pourras pas la tuer. Ouais. Je me vengerai sur un marchand ou sur moi, tiens. Je me suiciderai. Avec ce qui t'attend, à mon avis, t'auras pas besoin de te suicider parce que on va vraiment bientôt approcher d'un des pires boss du jeu qui m'a bien fait transpirer à l'époque. Et toujours maintenant, d'ailleurs, ouais. Que ce soit au niveau de l'ambiance ou que ce soit au niveau de... Enfin, que c'est assez dur. J'avoue que je garde toujours le bazooka pour ce boss là. C'est un des rares boss que j'utilise un bazooka pour ne pas trop m'emmerder avec lui. Welcome! Got some rare. What are you buying? Is that. Is. Thank you. Là, je conseille quand vous jouez en mode normal. D'optimiser surtout la contenance en munitions. Quand vous êtes là et que vous jouez en mode pro ou en mode normal, il y a un passage avec une horloge où il y a énormément de moines. Et même après, quoi, avant de rentrer dans la pièce, il y a plein de moines.
Donc si vous, vous risquez de tomber à court de munitions à ce niveau-là, en mode professionnel. Thank you. Is that all? Is that all? Parle, thank you. Le... Attends, j'entends pas avec le... Thank you. Come back anytime. Tu parles où il y a le pont? Qu'est-ce que tu disais? Je parle d'un moment où tu vas sortir... Ouais, il y a le pont avec la tour avant de tomber sur la statue géante de Salazar. Non, 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 c'est pas encore là. Pas encore là. C'est beaucoup plus loin, ça. Là, tu, en fait, il y a une horloge. Quand tu joues en mode normal, tu dois aller la débloquer. Et t'as au moins une dizaine de moines à l'intérieur. Ouais, je vois. Et après, quand tu sors, tu prendras encore une bonne dizaine à l'extérieur. Tandis qu'ici, bon, en mode facile, tu vas pouvoir passer... Là-dedans, quoi. Ouais. En plus, bon, la petite astuce pour un mode normal, c'est qu'il faut tuer les deux sentinelles. Et si vous tuez les deux sentinelles, si les catapultes apparaissent. Ouais, les catapultes qui sont là-bas, la base. Et la radio. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Il y a toujours des cages quand je filme dans le film aussi. Shit! La cinématique où Léon utilise la dernière fois ses jumelles. Normalement là où il y a deux catapultes, enfin voilà, on les voit d'ailleurs. Ouais, il y a des catapultes qui sont là, mais elles, en mode facile, elles ne tirent pas. Tout le nom, mode facile. Là, c'est par là qu'il faut monter pour rentrer dans l'horloge. On se tend plus. Je vais tourner le pont avant de sauter. Attends, je vais essayer. Je sais pas si c'est pas ça que je voulais faire. Non, il n'y aura pas d'ennemis de toute façon. T'inquiète. Donc voilà, là, normalement, en mode normal, il y a plein d'ennemis qui apparaissent, mais pas ici. Par contre, recharge bien tes armes, parce que dans la pièce qui va suivre, donc tu auras un copain que tu n'aimes pas. Et donc, n'oublie pas qu'il faut marcher pour ne pas se faire repérer. D'ailleurs, n'avance pas, reste bien près de la porte, il y a des chances qu'il restera dans le fond de la salle. Et tu pourras le sniper de loin. Je m'en rappelle. Il faut essayer de ne pas avancer, pour ne pas... que les grilles tombent. C'est vraiment ce qui me semble. Dépend. Et pourtant des quand même des ennemis qui venaient. Bon. Ce n'est point grave. D'ailleurs en mode normal ils sont deux. Ouais. Dans cette pièce. En mode facile, il y en aura. Voilà, quand on n'avance pas, normalement il reste un peu dans le fond. Essaye de zoomer plus parce que sinon tu vas avoir du mal à y descendre. Je peux tirer sur une cloche hein, pour qu'il soit tenté d'aller pour viser son dos. Ça y est, la cloche du feu. Là, essaye de zoomer un peu plus avec le clavier pour pouvoir viser son dos.
Voilà, tranquille. On va prendre une arme normale et tuer les 2-3 moines qui traînent. Ah ouais, donc y'a quand même un excuse. Y'a un autre moine qui arrive. Et là, il se cache. Mori laisse vivir. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, Mori laisse vivir. Ne m'attendez pas qu'il soit si près, j'ai un peu paniqué. Je t'entends faiblement. Ah. Donc ça c'est encore Skype. Hein. C'est vrai que ça peut être embêtant quand même. Bah si vous connaissez un autre logiciel qui peut nous permettre un partage d'écran et parler qui n'est pas comme Skype pour voir si c'est pas mieux dans la vidéo, si vous pouvez nous le dire, ça pourrait... J'ai remarqué que quelquefois ça ne se remarque pas dans la vidéo que le son pèse. Vous savez, quand on tourne avec Skype, nous... Non. Bah, en tout cas, moi je regarde les vidéos généralement quand elles sont en train de s'encoder, ça se... Ça reste quand c'est encodé, donc après peut-être que... C'est vrai que sur YouTube ça se voit pas forcément. Alors là il y a deux bêtes spinales à la con. Je croyais qu'il fallait les donner des coups de couteau pour les faire tomber, moi, alors qu'il suffit d'être bête pour... Ouais, il suffit de les ramasser quoi. Voilà, là tu peux avancer et... Ah, prépare ta QTE. Quoi? Prépare une QTE. C'est-à-dire? C'est-à-dire une séquence réflexe. Ah. Oui c'est vrai, j'ai oublié depuis. Donc je pense que c'est ça. Pire, je vais finir avec le au clavier. Hein. Bon, en général c'est X carré mais... Ashley! Leon! Mr. Kennedy! Don't you know when it's time to throw in the towel? No! Leon! Quelque chose me dit que tu as raté les bonnes touches. Non, c'est pas vrai. J'ai essayé l'autre. De rien, j'avais jamais vu cette mort là, donc ça. Merci à toi. De rien. C'est un plaisir de montrer toutes les cinématiques. Ashley. On va zapper un peu. No! Leon! Ah! 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 Bon, vu que le fait que je ne voyais pas les touches, on va dire que ces deux mains ne comptent pas. J'espère que vous comprendrez. Je vais finir au clavier. Quand il marque 1 et 3 sur le clavier, c'est pas tout simplement la touche 1 et 3. Ben en fait je les connais même sur tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Ashley. Et que même sur ma manette ça perd d'être ça. No! Là je vois. Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Quickly! We shall prepare for the ritual! Leon, you're alive. Il s'énerve, le petit schnouf. Ouais, j'adore cette cinématique là. Il va encore s'énerver un peu plus au téléphone. So maybe you have 9 lives,
But it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Très énervé. Vous savez que comme ça le dit que vous regardez, pourquoi il y a des moines en fait ici. Ben, c'est comme avec les paysans, hein, quand on voit dans le village qu'il y a des paysans qui ont été massacrés. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'ils ont été massacrés avec d'autres paysans ou bien est-ce qu'ils ne... Comment dire, est-ce qu'ils n'étaient pas... Est-ce qu'on pouvait pas les affecter ou quoi? On a pensé à un moment que c'était les enfants du village. Oh, pardon, tu disais quoi? Ouais. Oui, alors là on t'entend bizarrement. Hop. Tu la couronne? Quand tu passes, ça coupe en fait. Tu as trouvé la couronne? Ah ouais, j'ai trouvé la couronne. Ah, t'as trouvé la couronne, non? C'est le trésor qui rapporte le plus d'or du jeu. Donc tu disais quoi sur les enfants? Ça pour les gens. Tu disais quoi sur les enfants? Attends, je dirai après parce qu'il y a beaucoup de bruit avec l'eau. Ça rame un peu. Voilà. Je disais donc, c'est un peu comme dans le village. Avec des paysans, des cadavres, on ne sait pas pourquoi. Des cadavres de paysans, est-ce qu'ils n'étaient pas affectables? Est-ce que... Et j'ai pensé à des petits enfants qui ont été tués parce que soit ils servaient à rien, soit une plaque ne fonctionnait pas sur eux. C'est un peu étonnant parce que dans le générique on voit qu'il y avait des enfants dans le village et peut-être que c'est pour des raisons de censure aussi qu'ils n'ont pas mis d'enfants infectés, ça c'est possible aussi. Mais c'est comme ici avec les moines, il y a des moines qui se sont fait tuer, on ne sait pas pourquoi. Donc à part le coup, c'est pas des enfants. Welcome! Got some rare! What are you selling? T'as toujours un bazooka, hein? Ah ouais, je sais. Thank you. Is that all? Okay. Thank you. Pour le boss qui va venir. Is that all? Thank you. Is that all? Is that... Thank you. What are you buying? Ah, non, enfin... Is that old? On va voir ton Riot Gun alors, si tu prends le Striker. Ouais. Alors, comment on fait pour tourner déjà? Ah, voilà. Ah. Thank you. What are you selling? Alors, le Riot Gun. Ah. Thank you. What are you buying? Thank you. Voilà. Come back. Je vais continuer à jouer Tetris. Tu es un des rares à aimer cette arme-là. Pourquoi elle... Beaucoup ne l'aiment pas. Ben, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le Striker. C'est vrai qu'il est un petit peu faible de loin, quoi. Ah, généralement, quand je suis ce bazooka, c'est de près, donc... Après... Non, je parle du Striker, pas du bazooka. C'est de ma faute, je parlais du Striker. Le pistolet que t'as gardé, c'est quoi? C'est le... Bactel? C'est le Bactel, ouais. Je sais que le Ren 9 est plus puissant, mais je préfère celui-là aussi. Non, je crois pas. Dans la même puissance, et qu'il y a plus de munitions dans le Bactel. Par contre, je me demande si dans l'exclusivité, c'est pas le Ren 9 qui est le plus intéressant dans l'exclusivité, mais bon. Pour une fois, c'est une question de goût.
cas, t'as quand même pas mal de soins. Hein. Excuse-moi, je parle un peu à mon frère. Il n'y a eu que deux morts d'ailleurs dans ce chapitre, hein, donc. T'en parler. Attends, je reviens. Et cause de la QTE. Je continue mon détrice et je reviens. Faiblement. Je t'entends, je finis mon Tetris. Si j'arrive à placer ça. Voilà. Excusez-moi de cette petite coupure sonore, on va dire. Là, je pense que tu peux déjà préparer ton petit bazooka. On lance roquette. Je ne suis pas préparé maintenant, comme ça c'est un peu fort. C'est vrai que je l'entends bien le son du jeu, ça c'est clair. Hop, on rentre. En fait, moi je prépare toujours le lance-roquette à l'avance parce que quelquefois il me fait quelques blagues quand il apparaît. Ça dépend un petit peu comment il se déplace. On sait de faire quelques. J'ai déjà arrivé de le rater quoi, donc en visant à côté comme un grand. Je ne dirais pas quoi. Je vais allumer la lumière, je vais me remettre au jeu au clavier. Parce qu'il y a. Je sais plus comment t'appelles ça, il y a plein de. Le QTE. CPE. QTE. QTE. Bien sûr. C'est pas par là, hein. Bah. Ah, il me semblait. Enfin, je sais pas. Non, tu dois aller au fond du couloir et activer un levier pour appeler la porte. Voilà. Ça récupère un peu de vie quand même. Ouais, j'en ai deux proposés. De temps en temps, pas mal. Il arrive maintenant, c'est ça? Et ben maintenant tu vas devoir attendre qu'il apparaisse et renverser la bonbonne. Et dès qu'il est bleu, tu lui tires dessus ton lance-roquette. En visant bien, parce que ne tire pas dans le grillage. Donc pour renverser la truc, faut simplement aller dessus pour la renverser, quoi. Mais quand il sera apparu, pas avant. Il vient tout seul, on va aller le chercher. Il vient tout seul au bout d'un moment. T'arrêtes. Vite, bien visé.
Et voilà. Une chose de faite. C'est un des boss les plus durs du jeu quand on essaye de le tuer de façon normale. Ça vous coûtera énormément en munitions. Mais bon, moi j'ai eu la blague, surtout en moto, que même avec un Magnum et les 4 bonbonnes, c'est suffisant. Ça coupe de nouveau quand tu pars. C'est quoi? Ça coupe de... J'ai réussi à le dire. De nouveau quand tu parles, ça coupe. Combien de temps qu'on tourne là? Bah écoute, on va être à la fin du chapitre, je crois, de toute façon. Ok, je vous laisserai à la fin du chapitre. Mais ça doit faire à peu près quand même une demi-heure. Bon, t'as déjà été chercher les balles. Y'a pas autre chose? Non. Je vais dire de sortir. Bah, c'est une bonbonne, mais c'est au cas où on veut l'affronter normalement. Mais... Franchement, je vous le conseille pas. S'il y a un endroit où il faut acheter un lance-roquette, c'est bien là. Il faut pas l'acheter, il faut garder justement le lance-roquette qu'on trouve gratuitement. Ouais. Je disais une grosse bêtise. En gros, pour les radars. Pas acheter le lance-roquette, il faut garder celui qu'on trouve gratuitement avant d'arriver là, dans la fameuse salle. Il y a des tas de trucs gratuits quoi. Parce que j'en ai vu qui utilisaient quelquefois le lance-roquette contre le gros cocon pour le détruire. C'est un peu dommage. Sauf que 4 balles de fusil à pompe, enfin de sniper, ça suffit donc. Ouais, ou une trentaine de balles de TMP. Mais tu n'as pas pris une TMP, je crois. Je crois que tu n'aimes pas cette arme-là. Non. Moi, je reste assez simple. Hein. Un petit pistolet, un fusil à pompe et un sniper. It seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. C'est quoi le Yank? Creuser, c'est un personnage secondaire que Léon a rencontré 2 ans auparavant au Venezuela pour sa première mission. Et pour le savoir, il faut faire le Dark Side Chronicle. Sur la Wii, c'est un Rai Shot. Ah oui, non, parce que je avec donc le scénario original dedans, où on découvre sa première rencontre avec lui. Et il sera très 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 dur à battre ce film-là. Toi, il y a un fusil avec des QTE. Pour le battre, lui, ce sera un coup de QTE et ça va pas être simple. Ok. Non, j'avais posé la question, c'est quoi? Il parlait d'une autre chose, je crois déjà plus du nom. Les iPhone, un truc comme ça. Leur fan. Pourquoi tu me parles? Je disais qu'il parlait d'un autre truc et je savais pas de quoi ce que c'était, je te posais la question. Bah, il parlait en fait, il disait que Salazar était décevant, il semblait avoir des difficultés et qu'il demande à Creuser de s'en occuper quoi. Il a aussi pas entendu parler d'autre chose. Et il l'a aussi demandé de s'occuper d'un certain truc. Et je m'en rappelle plus du nom. Je laisse dire le même mot. Bah de toute façon je sais bien qu'il va avoir affaire à Anna aussi quoi, il porte pas confiance. Donc là t'auras de nouveau un mini-jeu pour la range C en fait. Donc je pense qu'on va sauvegarder ici. Et je ferai pour la prochaine vidéo. Voilà. Parce qu'on est quand même rendu à peu près 30 ou 35 minutes. Ouais, donc salut à tous et à la prochaine. À la prochaine les gens. Là je crois qu'il est mort. Ouais,
En fait, il va se relever, il va se venger. Ah. Ça me fait penser à ce film-là, et moi ce passage-là. Par contre, je déteste quand la vue se met comme ça. Bah c'est en fait pour remarquer le plafond, tout simplement. Pour pour aider ceux qui ne connaissent pas le jeu de voir les petites lumières rouges au plafond. Ici, tu peux toujours préparer ton sniper. Je vais m'apprêter à zoomer. Bon, il faut surtout pas se tromper de pièce. Et ça m'a fait un peu penser à ça quand j'ai vu la première fois cette pièce ici. Follow me. C'est un jeu d'échecs, mais c'est pas le cas. Quoique, il y a quand même un lien. Je sais plus s'il y a des monstres qui arrivent. Non. Non, je vais te placer les statues sur les dalles, Ashley sur une. Follow me. Wait. Follow me. Wait. Éviter que Ashley me pose. Follow me. Wait. Voilà, c'est bon. C'est pas ça que je voulais faire. Pour le réveil, j'ai oublié. Elle est mal mise. Non. Sûr ? Ouais. Ah ouais, voilà. Follow me. Ici, après toi avoir un réflexe, après la cinématique. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Voilà, le tout c'était de ne pas paniquer. Ouais. Et ça fait penser à Indiana Jones, quoi. Enfin, moi ça rame. Ah oui, après le partage d'écran, souvent ça rame un peu. Non, mais c'est mon PC. Quoi ? C'est mon PC, ça vient de mon PC, ça. Ah. C'était sur Internet. Et il a toujours du mal un petit peu à se couper, mais ça va. Vous savez que généralement, c'est lag. Quand on reçoit un partage d'écran, ça lag beaucoup. Et voilà, normalement, c'est coupé. Donc là on est dans pour aller chercher le Graal de la reine. Rien à voir avec Indiana Jones. Hein. Une petite énigme à résoudre ici. Ah non, parce que... D'ailleurs ça c'est un petit clin d'œil au Resident Evil 0 où il y a un échiquier dans le Resident Evil 0. Bonjour à tous, c'est Kinz, c'est Super Beyond 10. Bonjour tout le monde, salut tout le monde. Donc nous sommes là pour l'épisode 26 de Resident Evil 4. Voilà.